automatic translation. للترجمات الآلية. Pour une traduction automatique. Vierta una traducción automática. Videを自動的に翻訳するには. Автоматический перевод видео. 自動翻译视频. Um das Video automatisch zu übersetzen. Bienvenue sur la page de Tarsana. Voici le titre. L'Algérie a plus que doublé son budget de la défense pour 2023 par rapport à l'année en cours, à plus de 22 milliards de dollars selon le projet de loi de finances approuvé par le Parlement. Le budget a alloué environ 3 186 milliards de dinars, plus de 22 milliards de dollars, aux dépenses de défense de l'année prochaine, selon le projet de loi approuvé par l'Assemblée populaire nationale, contre 1 300 milliards de dinars, plus de 9 milliards de dollars, dans le budget de l'année en cours. L'Algérie a alloué dans le projet de loi de finances pour la nouvelle année 2023, qu'elle a transmis aux parlementaires le budget le plus important de son histoire pour le ministère de la Défense depuis son indépendance, puisqu'il a doublé de près de 3 fois par rapport à l'année dernière. Dans l'avant-projet de loi de finances du nouvel an, qui a été remis aux parlementaires pour examen avant d'être débattu le mois prochain, l'Algérie a alloué près de 23 milliards de dollars au budget de la défense. Le budget était divisé en 3 parties, la défense nationale, 9 milliards de dollars, la logistique et le soutien multiforme, 5 milliards de dollars, et la direction générale, 8,5 milliards de dollars. Le chiffre le plus élevé atteint par le budget de la défense en Algérie était de 13 milliards de dollars en 2015, et les dépenses militaires algériennes au cours de la décennie ont oscillé entre 8 et 13 milliards de dollars. L'Algérie se classe au 23e rang mondial et au 3e rang du monde arabe après l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en termes de dépenses militaires, selon le classement américain Global Firepower pour 2022. Et elle devrait se hisser au 15e rang mondial dans le classement 2023 après avoir augmenté le budget de 120%. Et selon nos propres estimations, l'armée algérienne se classe dorénavant et incontestablement comme la 2e puissance du monde arabe et d'Afrique après l'Égypte. Selon ce qui était stipulé dans la loi des finances en Algérie pour l'année 2013, les 23 milliards de dollars pour la défense ont été divisés en 3 sections, qui sont la défense, la logistique et le soutien multiforme. Le propriétaire du site web Mina Defense, spécialisé dans les affaires militaires, a déclaré qu'une partie du budget de l'armée sera d'abord consacrée à la résolution des problèmes sociaux des retraités de l'armée et des ayants droit, qui préoccupent l'establishment militaire. Quant au deuxième volet, il est lié au changement de stratégie de l'Algérie dans la région du Sahel, car elle peut y intervenir avec un soutien logistique à la demande de certains pays, de l'Union africaine ou des Nations unies. Il est à noter que l'Algérie avait ajouté un nouvel article dans la Constitution, permettant à l'armée d'être envoyée hors des frontières pour participer aux missions de maintien de la paix, après l'approbation du Parlement à la majorité des 2/3. En ce qui concerne le 3e volet, il a pour but, selon la même source, de renouveler les équipements et de moderniser l'armée à la lumière des développements de la guerre russo-ukrainienne. Il est à noter que le Trésor algérien a bénéficié d'énormes fonds en raison de la hausse des prix du pétrole et du gaz dans le monde, à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, car le gouvernement s'attendait à générer environ 50 milliards de dollars cette année grâce aux revenus du pétrole et du gaz. Bien que les dépenses militaires soient incluses dans le budget général de l'État et que leur montant soit connu en Algérie, il s'agit d'un secret défense et ces détails ne peuvent être discutés publiquement ou secrètement en Algérie. Les dotations du ministère de la Défense sont inscrites dans la loi de finances et elles se taillent toujours la part du lion à environ 20% du budget total. Malgré la tentative de certains blocs d'opposition d'essayer de discuter du budget de la Défense au cours des dernières années, ces tentatives ont échoué
malgré l'existence d'une commission spéciale de la défense au sein du Parlement algérien. Pour fermer la porte aux tentatives répétées de discuter du budget de l'armée, le président algérien Abdelmajid Tebboune a publié le 14 septembre un décret présidentiel interdisant le débat parlementaire sur les questions liées à la défense et à la diplomatie, car ce sont des secrets d'État. Paris a toujours exprimé son inquiétude face à l'armement algérien. Et cela s'est manifesté à travers les critiques adressées par les médias français et les interrogations sur les objectifs de ces importantes dépenses. Les préoccupations françaises sont justes à mon avis, selon mon analyse, et cela est logique pour trois considérations principales. D'abord, l'armée algérienne n'a pas caché sa volonté d'étendre son champ d'action au Sahel et une loi constitutionnelle a été promulguée à cet effet. N'oublions pas que la France considère cette région comme faisant partie de son rayonnement politique et économique et l'utilise comme théâtre pour ses opérations. Deuxièmement, l'armée algérienne continue d'acquérir les dernières technologies et systèmes qu'elle peut obtenir et renforce ses défenses terrestres, côtières et aériennes contre toute intrusion, ce qui réduit la supériorité technologique relative des pays européens voisins. Troisièmement, l'Algérie n'a pas négligé la formation d'une flotte navale solide avec une défense côtière, des sous-marins, des portes-hélicos et un grand nombre de frégates et de bateaux lance-missiles. Les pays européens, notamment ceux riverains de la Méditerranée, n'ont pas oublié la gloire maritime passée de l'Algérie et de ses flottes et qui ont restreint les mouvements des marines européennes pendant des siècles. Paris n'est pas la seule à exprimer indirectement ses inquiétudes. La Maison-Blanche n'apprécie pas cette montée en puissance. Les USA ont tout récemment encore essayé d'empêcher la vente à l'Algérie de drones pakistanais d'observation et d'attaque Shahpar, équipés de missiles sol-air à guidage laser Bark. Ces missiles, d'un poids de 60 kg, ont une portée variante de 8 à 16 km. Apparemment, la Maison-Blanche n'a pas pu empêcher Pékin de fournir tout récemment des systèmes de défense côtière CM-302 selon la nomenclature de l'OTAN ou YG-12B, l'attaque du Faucon en chinois, et qui sont considérés comme les meilleurs au monde et ont été préférés par Alger au système Bastion B russe. Ces missiles antinavires sont 4 fois plus rapides que le son et il est presque impossible de les intercepter. Ces missiles chinois ont une portée de 1200 km et peuvent détruire même un porte-avions dans ce rayon d'action. Ils peuvent traquer la cible grâce à un autodirecteur infrarouge ou un guidage par son radar millimétrique, ce qui les rend précis et difficiles à brouiller. Voici le témoignage du député français Philippe-Michel Kleissbauer devant la commission de la défense où il a exprimé indirectement certaines inquiétudes en évoquant la qualité et le potentiel de la marine algérienne. Vous l'avez dit aussi, président Chassaigne, sur la marine. Là, ceux que nous avons auditionnés nous ont fait état d'une marine d'une qualité professionnelle qui mérite le respect, qui force le respect et qui prouve que l'Algérie a des capacités militaires très importante. Tous ceux que nous avons auditionnés nous l'ont dit. Les exercices conjoints qui ont été faits entre la France et l'Algérie avant que certaines tensions ne naissent ont permis de restituer ce retour d'expérience sur un niveau de qualification très nettement supérieur. Et ce qui se passe dans le réarmement et cette course à l'armement entre les deux pays qui sont les plus tendus, qui ont les relations les plus tendues, à savoir le Maroc et l'Algérie, montre quand même un gros déséquilibre avec une Algérie qui est une grande puissance et un Maroc qui ne pourra, malgré tous ces efforts que l'on voit, ne pas arriver au niveau où est l'Algérie aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire et de partager.